Et maintenant, avec nous en plateau ce matin, Fabienne Renouf, responsable du refuge SPA du Cotentin. Et vous êtes venue avec Diabolo ce matin. Ouais, Diabolo, pardon. Diabolo. Diabolo. J'ai voulu le Diabolo. Je sais pas si on le voit bien, Diabolo. Il est à la menthe ou à la fraise? On a vu un bout de Diabolo. On a vu son gilet, adopte-moi. Son gilet orange. Hop, qui lui va bien. Ah, ah. Alors, c'est quoi la ruse, à Fabienne? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Petit morceau de spéculoos. Un spéculoos. Bah oui, le problème c'est que il a du goût. Le problème c'est que il est parti ce matin, donc évidemment pas la gamelle du matin, donc il est un petit peu. Il se dit pourquoi mes copains de boxe ont le droit à manger et pas moi? Ah bah, lui, il s'en fout de passer à la télé. C'est ça le problème, lui, pour lui. voilà, lui, c'était la bouffe d'abord. Voilà. Donc, c'est le rituel du matin. Alors, dans ce qu'il faut faire, ne jamais louper son petit déj du matin. Voilà. Ça, ça met de mauvaise humeur. Voilà, c'est ça. Et non, mais c'est un gentil loulou, en tout cas très calme, qui s'entend bien avec les fifis, en général. Ah, les en autres plus, il y a des filles. Le petit déj et les filles, ok. Voilà. Quel âge il a, ce chien? Il est né en 2011, donc il a 7 ans. D'accord. Bon, il a un petit souci au niveau de la... Il est... Au niveau de ses yeux, il a été opéré deux fois d'entropion, donc c'est ce qui fait qu'il a, il a une vue qui n'est pas forcément... surtout de l'œil droit. Il ne voit pas donc, très bien. Voilà. De temps en temps, quand il connaît, il a tendance à se cogner un petit peu s'il ne connaît pas l'environnement où il est. D'accord. Pas catastrophique non plus. Hein, c'est, pas... c'est un beau bébé quand même. Ah oui, il, oui, c'est combien un beau il pèse bébé. Ce chien? Oh, on est sur les 30. Là, je ne l'ai pas pesé ce matin, mais on va bien dire dans les 36, 30. De toute façon, ce matin, il pesait moins lourd. Il voilà, tout à fait. C'est quoi comme race? Alors, il est croisé dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux? Oui. Moi, je ne connais pas ça. Alors, normalement... Bah, Bordeaux, c'est dans le sud de la oui, France. Non, bah, oui, non, merci. Parce qu'on a la France, Bordeaux, bah, un, les dogs, un, voilà. Le dog de Bordeaux, c'est un peu le même gabarit que le Rottweiler, sauf que c'est une couleur... ah bah, c'est pour ça qu'il est impressionnant. Couleur voilà, miel, un peu. Voilà. Un peu une oui, c'est un peu plus miel, voilà. Lui, il est un peu plus couleur acajou, on va dire. D'accord. Bon, en tout cas, il est gentil. Il est très gentil, très calme. Il est voilà. Sur le plateau, il n'a pas aboyé. Non, il est très calme. Surtout, dans il, la a voiture, eu, il a été maltraité. Il a eu. Bah, il vient d'une saisie, donc c'est vrai que c'était des chiens qui vivaient. Il y avait énormément de chiens. Pas forcément, ils sont tous arrivés dans un état sanitaire un peu déplorable. Donc. Voilà. Maintenant, il y a besoin d'une famille qui va lui apporter du bonheur. Alors, attention, il tire Fabienne. Fabienne. C'est pas facile. C'est moi qui bouge. Ouais, vous allez partir avec et le tabouret. Il en plus. Hein. Non, hein. Mais non, mais je crois qu'il a envie de visiter, surtout. Bah, lâchez-le, hein, parce que sinon, vous allez partir avec. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, du coup, il bouge du, plus. Du coup, il bouge plus. Mais il a l'esprit. Alors, oui, voilà, non, mais une famille... une famille sans enfants. Très... Oui, parce que, bon, on va voilà, dire, par rapport à ces petits soucis de... Et encore, si c'est des enfants, on va dire pas de petits. Éventuellement, mais des enfants de 8-10 ans, il n'y a pas de souci. Donc, Diabolo, un gentil chien de 7 ans, un dog de Bordeaux qui est au refuge du Cotentin. Et il lui faudra une famille plutôt calme. Voilà, on va dire ça. Voilà. Mais il aime bien aussi se balader, hein, attention. Ah, bah là, on voit, il se balade. Voilà, allez, il est voilà, parti. C'est comme il ça est qu'on parti. Le voit. Et voilà, on se balade. Mais il ne faudrait reviens. Pas qu'il quitte totalement le plateau là, quand même. Diabolo. On a une vidéo d'un autre Diabolo. Chien qui est à adopter aussi. Un oui. Chien qui vient alors, de l'autre au côté de la Normandie. Au refuge des Talondes. De Seine-Maritime. Alors, ce chien-là, c'est... Waka. Waka. Waka, une jolie petite demoiselle. Ah, bah voilà. Ah, c'est une chienne, en fait. Hein. Oui, c'est une petite chienne. Hein. Dynamique, apparemment. Mais c'est quelle on race le voit sur les images. C'est quelle race? Il oh, y a du berger. Hein. C'est du croisé berger. C'est du alors, croisé. Avec quoi Encore un ça gros un joli chien. Ça fait un joli mélange. Hein. Oui, c'est voilà. Des jolis bébés ce matin. Hein. C'est des jolis bébés. Des un bébés, chien ouais. Qui a besoin de peut-être un peu d'espace, du oui, coup. Oui, voilà. Oui, parce que c'est une petite jeune fille. Elle est née en 2016. Ah oui, elle a 2 ans. Ah oui, donc elle est voilà, oui, pleine est... d'entrain. Ouais. Diabolo. Pas comme Diabolo, Diabolo qui se Diabolo, balade en ben étant voilà. Sur le plateau. Il suffit de donner un bout de spéculoos et il revient et vers voilà. Nous. Moi, je veux bien le gâteau, sinon. S'il reste Diabolo. Des gâteaux, Julien est preneur. Bah. Donc, Waka, c'est au refuge des Talons dans Seine-Maritime. Diabolo, c'est dans le Cotentin. Et tout ça sur le site des refuges SPA voilà, de Normandie. Voilà, pour avoir plus de détails et pour contacter Fabienne, par exemple. Voilà. Bah, merci, Fabienne, d'être venue ce matin. Merci beaucoup. On espère que tous ces animaux trouveront vite une famille. Et on remercie Diabolo de nous avoir montré quelques parties de sa personne de manière furtive.